What if after you die, part of you goes to heaven, part of you stays here? Just to see how things turn out. Vous aimez l'univers tordu de l'auteur de Gone Girl, Gillian Flynn? Vous avez aimé la série Big Little Lies de Jean-Marc Vallée? Si c'est le cas, vous serez comblé par chacun des 8 épisodes de Sharp Objects qui mettent en vedette la formidable Amy Adams dans le rôle d'une journaliste troublée qui retourne dans son patelin natal afin d'enquêter sur le meurtre de deux adolescentes. You got two mutilated girls on your hands. Someone else is doing the rhyming. On retrouve aussi dans le rôle de la mère, la formidable Patricia Clarkson, et dans celui du policier, le ténébreux Chris Messina. Solidement secondé à la photo par Yves Bélanger et Ronald Plante, dont la lumière naturelle dégage une moiteur envoûtante, Jean-Marc Vallée signe ici son œuvre la plus sombre. Mama, goodness, I didn't expect you. The house is not up to par for visitors. Monté au scalpel par le réalisateur lui-même, Sharp Objects donne l'impression que le personnage central évolue dans un entre-deux-mondes cauchemardesque dans un état quasi somnambulique. Respectant la volonté des scénaristes Gillian Flynn et Martin Nixon de faire cohabiter le présent et le passé, Jean-Marc Vallée crée une ambiance anxiogène à souhait et contribue ainsi à étoffer davantage le mystère. Are you dangerous? Alors, on regarde ou pas Sharp Objects? Oui, et deux fois plutôt qu'une, parce qu'il y a énormément de détails à découvrir dans chacun des plans, dont les 74 mots écrits dans la peau du personnage principal.